J'obtiendrai vengeance. Ah!
Je me demande ce que retiennent ces chaînes. Tout au fond, Phénix trouva une statue retenue par des chaînes. Une statue qui ressemblait fortement à Kotos, l'Hécatonchyre. Faut dire qu'une centaine de bras, c'est ce qu'on appelle un bon indice. Alors on peut briser ces chaînes. Cet endroit ressemble à Arès, en désordre, dangereux et d'un très mauvais goût. Qu'est-ce qui t'agace autant chez Arès, exactement? J'espérais mieux de lui. Il se lance dans la guerre tête baissée, tellement brouillon que ses adorateurs en deviennent fous. En plus, il ne sort jamais les poubelles, même quand Hera lui demande trois fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je me suis habitué à force. Il est peut-être coupable de toutes ces choses, c'est vrai. Ou peut-être cherche-t-il à impressionner son père. Il veut que tu le prennes au sérieux. Non, il pense qu'à sa pomme, à jamais imaginer le foutoir qu'il laisse derrière lui. Ouais, comme un gamin qui aurait jamais grandi. On dit que... Ah!
tu m'entends? J'ai été envoyé par Arès pour reprendre son essence! Par les dieux, qui était ce voleur? J'espère qu'Arès saura ce qu'il faut faire. Si Ligiron n'avait pas été pétrifié, il aurait déjà l'essence et probablement aussi une médaille. Un effort, Phénix.